Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Alors aujourd'hui, on disait qu'on était le 16 mars. Alors je vous fais une vidéo d'avance parce que ben, le 16, évidemment, je ne serai pas en état parce que je sortirai du bloc, hein. Alors on disait qu'on était le 16 mars et donc on va faire une petite carte ensemble. Alors, mais avant cela, donc, on va, comment dirais-je, on va ouvrir le calendrier du jour, hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Non. On est le 16. Hop. Alors hier on a tiré la victime du mois. Alors à vous de chercher, hein. Eh ben, si, enfin bon, bref, on en reparlera plus tard, hein. À vous de chercher, d'accord, hein. Et puis vous me direz si vous avez trouvé. Et puis voilà, hein. Alors comment dirais-je, le 16 mars, c'est le jour des potins. Ça y est, ça recommence. C'est le jour des popotins. Si. Alors, phrases qui font mouche ou petite pique assassine, ils ont osé le dire cette semaine. Booba, il a dit, le petit Booba sort encore ses griffes. Cyril Hanouna, tu es vicieux, puissant et dangereux. Ensuite, Indira M. Je sais même pas qui c'est tout ça, moi. Non, je sais pas qui c'est. J'aime bien la radio, j'adore le cinéma, je suis une comédienne, moi. Point d'exclamation. Spielberg, si tu nous lis. C'est ça. Slimane. Si je suis la lune, tu es définitivement le soleil, ma fille. C'était tout mignon, hein. Papa chanteur, mais papa poète aussi. C'était tout mignon. Jennifer, elle a dit, à la sortie de la Star Academy, j'étais un zombie. C'est pour ça que tu avais besoin d'être au soleil. Au soleil, la, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore, et réchauffer son corps au soleil, au ouais, soleil. Nanana, nanana, au soleil. Alors, Tom, mère Sisley, le moment où j'ai donné l'iPad à mes enfants pour la première fois, si je pouvais revenir en arrière, trop tard, ils sont pris dans le vortex. Si, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire. Manu Payet, Thomas Pesquet, il est en métal, quoi, il y a zéro défaut, pas une ratiche d'une autre couleur, jamais un ch'tard. C'est vrai, il est parfait, un extraterrestre sans doute, c'est ça. C'est vrai, hein, c'est un extraterrestre, hein. Je sais pas d'où, je sais pas. Bon, bref, il y a des gens comme ça, ils sont incroyables, mais vrai. Alors, Benjamin Castaldi contre Cameron Diaz. Je rentrais de Los Angeles en avion et je vois arriver une femme très jolie avec de gros problèmes de peau. Elle a plein de crevasses et je reconnais Cameron Diaz. Je la trouvais assez dégueulasse au naturel. Les ongles pas très bien faits, un peu négligés, la mauvaise couleur de cheveux, des pieds mal faits, des pieds et les mains, c'est rédhibitoire pour moi. Ah bah dis donc, il se prend pour qui lui? Parce que Castaldi, ouais, voilà quoi. Bon, enfin moi, je sais pas. L'animateur n'a pas gardé un excellent souvenir de sa rencontre avec la comédienne de Mary à tout prix dans un avion. Il a quelques années, aucun doute, il n'avait aucune envie de s'envoyer en l'air avec elle. Ouais, c'est plutôt qu'elle l'aurait envoyé balader, ouais. Bah, c'est parce qu'il n'a pas pu se la faire qu'il est méchant, ouais, c'est plutôt ça. Hein. Si, si, c'est ça. Brigitte Bardot, la seule chose qui m'importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans et pas des biopics à la con. Je sais pas ce que c'est quoi des biopics, je sais pas. Vegan, ok, mais ne lui parlez pas de bio. Ah oui, d'accord, ok, ouais, ok. Ensuite, donc, note à toi-même, c'est jeudi, hein. Donc, c'est l'ami Carême, hein. Bonne fête aux Bénédictes. J'en connais pas des Bénédictes. Je connais la Bénédicta, la sauce Bénédicta, hein. Mais alors, des Bénédictes, je n'en connais pas. Non, bonne fête à toutes les Bénédictes, hein, de France et de Navarre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'était pas marqué là, à Piper. Alors, Piper, elle a plein de noms. C'est Françoise, je mets, hein, anniversaire de Piper. Voilà. C'est Françoise, hein, Françoise, dit patate Kiri. Moi, je mets patate Kiri, je me comprends. C'est une Belge. Voilà. Et donc, c'est Charme Scrap. Charme Scrap. Elle a tout, ah si, elle a tout ça à mettre. Hein, Charme Scrap. Voilà. C'est une personne merveilleuse aussi. Super gentille, adorable. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais elle le sait, elle le sait, elle le sait. Hop là. Donc, voilà. Un bon anniversaire, ma fanfan.
Voilà, je fais plein de gros bisous et puis je vous fais plein de gros bisous à tout le monde, évidemment. Hein. Alors demain, c'est vendredi, peut-être j'irai bien. Hein, j'irai bien. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan. Revoir mon premier amour qui me donne rendez-vous sous le chêne et me laisser embrasser sur la joue. Voilà, hein. Donc demain c'est un autre jour. Hein. Je pense que c'est bon, je pourrais peut-être faire quelque chose. Ensuite, un tout petit truc, mais je ferai. Hein. Si, je ferai. Hein. Le 16, donc on disait envoyer un très long email plein d'affection et des photos à quelqu'un qui vous manque. Bah, à mon papa, mais bon, il va pas le recevoir. Hein. Je sais pas si là-bas, si là-haut il y a. Ouais. Moi, il me manque, mon papa, il me manque, il me manque, il me manque. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Hein. Alors, laisse tomber. Quoi. Le 16. Un truc inutile à savoir. Je regarde un truc. Un truc inutile à savoir. Religieusement correct, les mots sapristi et sacre bleu, tirés de sacristie, sacré Christ et de sacré de Dieu, ont été inventés pour éviter de blasphémer. Voilà, on est très content de savoir ça. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais utiliser le bloc bleu que m'a offert Tata Clo. Hein, il y avait ça dans son colis, hein, n'est-ce pas? Et elle, alors, ah oui, je ne vous ai pas montré. Alors, elle m'a offert, vous savez, le kit, ben, si vous vous souvenez, elle m'a offert le kit, comment dirais-je, de macramé. Hein, macramé. Alors, je l'ai rangé, je l'ai mis où? Ah non, je l'ai mis là. Non, je ne l'ai pas rangé parce que j'en ai encore de la ficelle. Hein. Ouh là 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 là. Alors, c'était ça, elle m'a offert ça. Hein, donc voilà. Et moi, j'ai fait niveau 1 étoile. C'est une étoile. Il y a plusieurs niveaux hein, de difficulté, j'entends. Donc, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. Enfin, bref, voilà quoi. Et puis, au bout de cinq étoiles, vous voyez un ange. Si vous voyez des anges avec les étoiles. Mais moi, j'ai commencé par faire une étoile et c'est une étoile. Hein, voilà. Alors, ça, c'était là. Et alors, voilà, moi, ce que j'ai obtenu. Hein, voilà, j'ai obtenu une poupée vaudou. Hein, voilà ce que ça m'a fait. Si j'ai fait une poupée vaudou, moi, voilà. Si, moi, je n'ai pas compris. Hein, je n'ai pas compris. Ça doit ressembler à une étoile. Ça ressemble à ça, moi. Bon, enfin, c'est très joli. Je l'offrirai à quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais je l'offrirai, c'est sûr. C'est très joli. Attention, hein, c'est magnifique ce que j'ai fait. Et puis, voilà, mais je suis magicienne. Je suis magicienne, hein, si vous voulez que je vous dise. Donc, elle m'avait offert ça. Donc, c'est fait. Je ferai l'ange après. Si, je ferai l'ange. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça me fait peur. Si, ça me fait peur. Alors, et donc, elle m'a offert ce joli bloc bleu et vert. Là, c'est un bleu et vert. C'est très beau, très, très joli. Hein. C'est un vert mentalo, hein. Mentalo, hein, c'est une chanson ça, d'Eddie Mitchell, hein. Elle avait les yeux couleur mentalo, les yeux couleur mentalo, hein. Donc voilà, et alors la mentalo c'est très très bon, et alors je vais utiliser ces nouveaux dies de chez Action, voilà, ce sont des fanions avec des soleils, des fleurs, des je sais pas quoi, ben, on va faire ça, hein. Si on va faire ça, on va... je ne l'ai pas ouvert, hein. Il est tout neuf, il est tout neuf, il est tout neuf, alors c'est parti, qu'est-ce qu'on fait, on va faire, tout qui tombe, hop là. Donc, pour faire cette chose, il va nous falloir du papier. Hop là, ça je mets ça là. Il va nous falloir du papier. Alors, donc, je ne sais pas, comme je ne l'ai jamais ouvert, je vais regarder. Ça sera une base 10-15. Alors, on va déjà faire une base. Je regarde, je ne sais pas. Oui, c'est une base 10-15. Et bien, on va faire une base 10-15. Alors, on va prendre... Je vais partir sur du blanc, moi, mais bon, c'est pareil, hein. Prenez bien ce que vous voulez, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. Alors, 10-15, ça veut dire. Ça veut dire, je réfléchis. Hein. Si je fais comme ça, parce qu'en fait, je la veux comme ça, ma carte. Enfin, je la voudrais comme ça, mais tant pis, je vais la faire comme ça. Enfin, je réfléchis à des trucs. Non, je la veux comme ça, moi. J'ai le droit, hein, ou comme ça. On va faire comme un... On va faire comme un... Comme ça. Ça veut dire que là, il faut que je coupe à 15, à 10. Non, non, attends, non mais j'y arrive pas. Ça veut dire que là, il faut que je coupe à 10. Allez, je la prends, je garde toute la longueur et là, je coupe à 10, enfin à 10. Je vais couper à 11. À 11. Je garde toute la hauteur et je coupe à 11. D'accord? Enfin, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein. Voilà, et je me retrouve avec ça que je plie en deux. Voilà, je fais ça. Je vais faire ça. Je sais pas ce que je vais faire. Enfin, j'ai une idée, mais sans plus, quoi. Je vais faire ça. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le plus grand fanion là. Hop là. Je prends le plus menu fanion et je vais passer dans ma Big Shot. Alors je dépasse un tout petit peu, je fais exprès, je dépasse un tout petit peu. Hein. C'est pour ne pas couper, j'ai pris, voilà, hein, vous, avez, hein, vous me suivez là, c'est pas dur de faire ça pour l'instant. Hein. Parce que j'ai envie de le faire dans ce sens là, je fais ce que je veux. Hein. Mais si, alors là je me mets un tout petit peu au-dessus, hein, tout petit peu au-dessus. Hein, et là je vais couper pour avoir ma forme de carte en forme de fanion. Et je veux une carte en forme de fanion, c'est mon droit. Donc je vais faire ça, hein, voilà. Hop. Elle était maquillée comme une star de ciné. Allez, allez, accoudée au jukebox. Na na na, elle semblait bien dans sa peau. La fille aux yeux mantelots. Regarde, elle est bien, elle est bien. Couleur de trottoir. Et moi, je n'en pouvais plus. Oh, non, non, jamais rien su. La plus jolie des mythos. Ouais, couleur mentale. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc, hop là. J'ai donc normalement une carte, hop, en forme de fanion, voilà. Rien d'extraordinaire, mais moi j'ai ça, je suis très contente, vous savez. Si. Alors ça, je vais le ranger. Oui, je vais le ranger, oui et non. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Non, je vais laisser en blanc. Non, je vais laisser comme ça. Il y a combien de fanions, là? Je regarde ce qu'il y a, en fait. Donc celui-là, c'est bon. C'était le... J'espère que je ne me suis pas trompée, que j'ai pris le plus grand. Attendez, je regarde, je crois que je me suis trompée, dites donc. Il y a un grand, un moyen. Oh non, je me suis trompée, mais je suis nulle. Non, mais je crois que je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. J'ai pris le plus grand ou le plus petit, là? J'ai fait quoi? J'ai pris le plus petit. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Il m'en reste un autre, là. Aucune importance. Je vais voir si c'est assez. Ben, comment j'ai fait pour prendre le plus petit? Comment j'ai fait? Vous m'expliquez comment j'ai fait? Ouais, ben, je l'ai fait. Si, ben, je l'ai fait. Donc, il me reste l'autre côté, là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien de grave. Hein. Pff, c'est pas grave. Je le mettrai pour décorer l'intérieur, vous allez voir. C'est un signe. Moi, je prends toujours tout comme des signes. Hein. Moi aussi. De toute façon, hein, on n'a pas vraiment. Je sais pas comment je vais se débrouiller pour prendre le plus petit alors que je voulais le plus grand. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en différence, vous voyez. Mais il y a quand même une différence. Donc, je prends le plus grand, hein, je recommence. Je sais pas ce que j'ai branlé. Pardon. Et je recommence. Il y avait une autre. Vous savez, on a coupé la feuille en deux. Bon, bah, c'est pas grave, ça tient. Donc hop, on recommence, parce que là j'en ferai une plus petite à ce compte là, mais là je veux partir du plus grand, vous avez compris. Donc je recommence, je pose sur ma double carte, là je pose au-dessus, un tout petit peu au-dessus, hein, voilà, pour couper une carte en forme de fanion et de la plus grande taille. Après, je peux très bien, ouais, je vais m'en servir, c'est pas grave, ça sera super sympa finalement. C'était pas prévu comme ça dans ma tête, mais ça, c'est un signe, ouais c'est un signe, ça va être super sympa. Ça va faire une comme un album. On va faire un album. Voilà, c'est ça. On disait qu'on était contents. Hein. Si. On va faire un album. Ça va être vraiment super, super sympa. Voilà. Moi, j'adore l'imprévu. C'est vraiment super génial. Allez, hop là. Donc, je fais ça. Ah ouais, ça va être super. Waouh, ouais, c'est génial, génial, génial. Allez, hop, c'est bien. On est content, content, content. Donc, on a, hop, le plus grand. Le plus grand, c'est fait. Celui-ci, vraiment, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et donc là, c'est le plus petit, là. Enfin, celui qui est en dessous. Donc voilà, ça va comme ça. Enfin, ça va, ça ira comme ça. C'était pas prévu comme ça, mais ça va être super. Donc, on va mettre, tout simplement... On va faire un album, on a le droit. Le moyen sur le plus grand. Regardez, ça va être super joli. Donc ça, on le garde. On le garde, c'est pour faire un matage. Donc là, on va... Bon, un matage ou pas. Hein. On va coller. Hein, on va faire quelque chose de tout mignon, mignon. Hein, tout simple, mais tout mignon.
Donc ça, on colle. Ou on peut... Pour pas gâcher de papier. Pour avoir vraiment un super album. Je sais, on va pas coller. Non, on va faire un album super sympa. Est-ce que là, on a assez de... Vous voyez, on a deux languettes là. Alors là, on a notre chute là. Eh bien là, on va se servir de nos languettes là. Vous voyez? Regardez. Regardez. On va s'en servir. On va en couper, je ne sais pas moi. Je prends celle des plus grandes là. Vous me suivez parce que si vous faites la même chose que moi. Et puis on va se prendre 3 cm là. Vous allez comprendre. À 3 cm, on va couper nos trucs là. 1, 2, hop. Oui, on a ça. Regardez, on a ça. Voilà, on a ça. Vous allez voir, comme je suis maligne, mais je suis maligne, mais maligne, maligne. Et là, on va s'en servir, ça va être tout mignon. On va s'en servir comme ça. Et on va coller ça. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'était tellement magnifique. C'est ça. On va coller cette partie-là. Vous allez voir. Hop. Ah oui, mais enfin bon, c'est pas grave, je vais l'inverser. Ouais, je vais l'inverser. C'est ça. Alors, on va coller comme ça, là. Ça, alors, vous mettez la distance que vous voulez. Hein. Mais mettez quand même une extrémité. Voilà, ici, j'ai laissé. Vous voulez que je vous dise combien j'ai laissé? J'ai mis au pif, je mesure pas, moi. J'ai mis 1 cm. À 1 cm du haut, j'ai collé mon bout de languette, là. Voilà, tout simplement. Et je vais faire la même chose de là. Je mets de la colle sur l'intérieur, donc je vais mettre la colle à l'extérieur après. Hein. Je sais pas si vous. Parce que peut-être on peut mater. On peut mater ma métisse, c'est ça. Voilà, hop. Hein. Là, à 1 cm du bas, ben, je vais mettre ma petite languette. Là. C'était pas du tout prévu comme ça, mais ça va être très mignon. Hein. Voilà. Ça va faire un peu cow-boy, un peu album, je sais pas quoi. Voilà, on fait ça. Voilà. Ensuite, on va. Eh bien. Coller, est-ce que ça va le faire normalement? Que j'ai pas. Ah bah oui, mais non, mais je suis nulle. C'est pas ça qu'il fallait faire. Ouais, si, 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 ça va aller. Si, si, c'est bon. Oh là là. Donc vous le mettez devant ça. Vous le mettez devant. Et là, vous collez pas dessus. Vous collez pas. Vous mettez de la colle. Vous vous rabattez comme ça sur vous. Hein, là. Alors là, c'est collé dessus. Parce qu'en fait, ça va être le contraire. Ça va être collé comme ça. OK? Hein? Et là. Ici, on va mettre la colle ici, là. Je vais y arriver. Si, je vais y arriver à vous montrer. Parce que c'est blanc. Alors, là, on va mettre la colle ici, là. Sur la petite bout de languette, là. D'accord. Toc. Hein, vous mettez de la colle comme ceci dessus. Hein. Et là, c'est la languette, uniquement la languette que l'on va coller sur la grande. Hein, vous collez comme ceci, et puis là, vous laissez comme ça, on matera, ça va bien tenir. Là, hop, vous collez ça comme ça. Alors, comment? Vous respectez bien la distance, hein, faut pas que ça dépasse de là, faut pas que ça dépasse de nulle part, hein, vous posez ça comme ça, d'accord? Et puis là, hop, donc ça nous fait un livret, voilà, hein, ça fait comme ça, hein, ça fait comme ça, on est très content, hop. Voilà, on est bien. Ensuite... Ça va être vraiment super sympa. Alors, on a une page, deux pages, une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Et puis maintenant, il y en a encore un petit. Hein? Je dézoome un peu, c'est peut-être un peu trop zoomé. On va prendre le plus petit. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Le plus petit, et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une page ou on va mater direct? Je regarde juste un truc. On va mater direct. On pourrait encore rajouter un livret de cette taille-là. Vous pouvez, hein? Mais on va s'arrêter à ça. Hein, vous avez compris le principe, ça suffira. Et donc, avec celui-ci, on va mater, décorer. On va décorer notre jolie carte, là, album. Vous avez compris, vous pouvez rajouter des pages. Vous avez compris le principe, c'est le principal. C'est le principal, c'est ça. Donc là, on va choisir. Oh, je vais choisir celui-là, il est magnifique avec les fleurs, là. Donc là, je prends ça. Avec du foil. Non. Oh, si, je vais prendre le foil. Allez, je vais prendre le foil. Je vais faire la foil. Je vais prendre cette jolie-là. Et là, je vais me faire une découpe de ça. Hein? Alors, c'est pas le plus grand et c'est pas le plus petit. Hein?
Si, c'est le plus petit. Oh là là, c'est le plus petit. Le plus petit fanion, là. Le plus petit fanion, bah, vous le découpez dans le papier de vos rêves. Moi, je pense que cet album-là, c'est parce qu'on me l'a offert. Hein. Voilà. Hop. Je découpe ça. C'est très joli en bleu et vert comme ça. C'est magnifique. C'est pas mes couleurs, hein, mais c'est joli. Hein. Bien sûr, j'aime tout, moi. J'aime tout. Hop là, je vais faire comme ceci. Ouais, comme ceci, c'est bien comme ceci. Je regarde dans le sens que je mets les fleurs. Mais je vais laisser comme ça. Hop là. Elle était maquillée comme une star de ciné. Un coup d'œil, un coup de boxe. Elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux mentalos, perdue dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Donc j'ai coupé le plus petit là pour mater en fait mon petit album tout mignon mignon comme ça par-dessus. Regardez comme c'est joli, c'était tout adorable. Hein. Donc là, hop, un petit coup de double face ici. Hein. Un petit bout de double face. Je mets du double face, c'est pour que ça aille plus vite. C'est ça. Vous savez hein, comment je suis. Hop là. Hop et hop. Donc ça, c'est bien. Elle était maquillée. Ouais, comme une star du ciné. Alors les trois nous ont servi là. Bon, après, je vais m'en servir pour faire tous les matages à l'intérieur de mon album. Alors, je répète, hein, avec le troisième, vous auriez pu rajouter encore 2 pages. Hein. On est d'accord? Là, je vais m'arrêter là parce que ça suffira. Déjà parce que je suis fatiguée. C'est ça, c'est vrai en plus. Et puis que ça suffit, vous avez compris le principe, et puis ça suffira pour utiliser le die dans son entier en fait. Donc là, je mate. Alors attention, vous appliquez, hein. Ça fait super joli, hein. Oh, c'est magnifique, c'est super mignon. Alors attendez, parce que Angélique, elle voit, je vois rien du tout. On recommence. Je vois pas grand chose, hein. C'est l'horreur. Alors, ben c'est bon là, ça y est. Hop là. Donc voilà, hein, voilà. Donc là, on a maté. C'était adorable. Là, ben, je vais mater avec d'autres papiers parce que c'est exactement la même taille, hein. Donc je vais m'amuser à choisir des papiers déco là. Je vais pas prendre le même tant qu'à faire, hein. Je vais en prendre des différents. Je vais rester dans le foil. Alors, je vais en prendre un comme ça. Voilà. Vous décorez, hein, vous matez, vous matez tout avec votre plus petit die. Voilà, là je vais en faire un comme ça. C'est joli, hein, vraiment joli. Sans déconner son cœur. Donc là, on va faire un comme ça, un comme ça. Alors, moi, je décore avec le papier parce qu'il est magnifique, hein, il est sublime. Hein. Hop, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, c'est bonbon. C'est bonbon. Ouais, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bonbon. Et puis, on pourrait. C'est vraiment. Là, alors là, c'est vraiment facile de faire un album hyper facile comme ça. C'est trop facile. Hein. Parce que là. Ce que vous faites, vous pouvez refaire une double là, comme ça, avec le moyen, et puis le coller ici, refaire exactement la même chose avec les petites languettes et tout. On peut le faire, je suis à combien de minutes? 25. Pour vous montrer qu'on peut. Oh, ça peut être super joli, hein. On va le faire. Ah, si, on va le faire, hein. Allez, ça vous fait plaisir? Si, vous dites ça vous fait plaisir, hein. C'est ça.
C'est tellement, tellement. Là, c'est parce qu'on a usé tous nos papiers blancs. Vous voyez, avec une feuille. Avec une feuille à quatre, une feuille coin-coin. Eh bien, on fait ça suffit. Et puis, voilà quoi. Vous pouvez vraiment l'agrandir, votre album, et puis rajouter. Vous avez compris, hein, c'est hyper facile, hein. Par contre, j'arrive pas à coller aujourd'hui. Non, j'arrive pas à coller. Donc là, je vais en remettre encore deux papiers différents. J'aurais dû choisir et tout avant, mais bon, pourquoi faire, hein? Pourquoi faire choisir avant et tout ça? Il est où mon die? Il est là. Alors, encore du foil. Je vais faire que du foil là. Je vais mettre toutes les sortes. Il y en a encore. Alors, celui-là, c'est bon. Celui-là. Ah bah tiens, je vais mettre celui-là. Hop. Et puis je vais l'envoyer à Tata hein, pour mettre des photos de sa merveille de l'univers. Ben, si ça permettra de mettre des photos de sa merveille de l'univers, elle sera contente. Tu dis que t'es contente et puis dis donc, hein? Tu dis que t'es contente, hein? Allez hop. C'est que t'aimes bien cette couleur, hein? Sinon tu m'aurais pas envoyé cette couleur, hein? De toute façon, le vert, ça se trouve, elle a les yeux verts mentalo, hein, ta petite merveille de l'univers. Si, ça se trouve. Si, ça se trouve, elle a les yeux revolvers. Hein. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Je me tue à mettre du. Tu regarderas pas que c'est pas très droit. Hein, tu regardes pas. Hein, pff, non. Oh ben non, c'est parce qu'on disait que j'étais pas en forme. C'est ça. C'est pas très droit, mais bon, en marchant vite, ça se verra pas. Hein. Tu tournes les pages plus vite que ton ombre, et puis ça se verra pas que c'est pas droit. Non, c'est pas droit, je sais pas ce que j'ai. Je ne vois rien, je ne vois rien. Hein. Elle était maquillée. Elle a les yeux revolvers. Voilà le regard qui pue. Elle a tiré la première à manger du camembert. Elle a les yeux camembert. N'importe quoi. Je sais plus ce qu'on chantait quand on était. Tu sais, je disais moi, elle a les yeux revolver. Ah non, les yeux camembert. Elle a le regard qui pue. Elle a tiré la. Voilà, et plus de la souche. Bon, là, c'est pas du tout droit ce que je fais. Hein. Bah, tu disais que c'était droit, puis t'es contente. Hein, si. Là, en fait, il vaut mieux commencer par les pointes. Hein, et comme ça, vous êtes sûr. Je sais pas pourquoi je commence là, alors qu'il faut commencer par. Vous posez votre papier à la pointe, là, comme ceci. Hein, et puis, comme ça, après, vous êtes sûr que vous êtes droit. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins. On disait qu'on était droit. Allez, encore une. Hein, encore une. Elle a les yeux camembert. Je vais remettre un peu de celle-là, parce que je vais pas utiliser 50 000 pages. Bah non, c'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Je vais mettre ça. Je vais remettre un comme ça là. Voilà. Devant, derrière. Là, j'ai mis quoi? Ouais, ça va être tout mignon. Hein. Allez, hop! C'est pour éviter d'utiliser 50 000 feuilles différentes. Non pas que. C'est pas par. C'est comme ça. Parce que sinon, on use des pages. Parce qu'on va mettre des photos dessus. Le papier se verra quasiment plus. C'est ça. Ça fera un joli petit cadre dans les tons verts, et puis voilà. Hein. Elle a les yeux revolver. Ça vous énerve? Oui, moi aussi. Hein. Elle a le regard qui donne. Elle a les yeux bleus. On disait qu'elle avait les yeux bleus, ça change. Alors, hop là. On met ça, hop, on continue. Hein. En fait, elle est finie l'album là. Il est fini. Si, il est fini. Hop, là, hop. Hop, un toc. On disait que ça, on faisait ça là. Ça, on fait là. Ça, on fait là. Voilà, c'était tout mignon, mignon. Hein. Oh là là, c'était joli, joli. Hein. Tout joli, joli. Voilà. Toc. Et si ce soir. On dansait nos derniers slow, prends un peu de tendresse au milieu du disco. Et si ce soir on dansait le dernier slow, la nuit. Alors, vous commencez donc, parce que je fais des bêtises, mais non, mais je vais essayer de vous montrer bien. Vous commencez par là pour poser le papier, d'accord? C'est plus facile, franchement, je vous assure. Hop, vous faites ça, hop, et là, pouf, vous êtes sûr d'être bien, d'accord? Enfin, non, mais je sais pas ce qui m'arrive, hein.
Non, je fais pas bien, ça m'énerve. Non, ça m'énerve quand je fais n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas, c'est parce que je suis vraiment fatiguée. Si, je suis vraiment fatiguée. Alors, hop, donc vous posez comme ceci et puis vous bougez pas surtout. Hein. Voilà, vous bougez pas, vous faites bien, d'accord? Ok. Comme ça, si vous commencez par les pointes, là, c'est plus facile, d'accord? Voilà. Ensuite, le petit, c'est bon. Attendez, je regarde. J'ai fait comme bêtise. Je l'ai collé là. Non, mais je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Non, ça va pas. Hein. Non, ça va pas. Je suis désolée, ça va pas. Non, je suis un peu agacée là de ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Si, je fais n'importe quoi, ça va pas du tout. Parce que là, c'est un grand qu'il faut. Hein. C'est un grand, un plus grand. Alors, je vais. Le papier que j'ai déchiré, je vais m'en servir pour faire une fleur dedans. Parce que là, on peut faire des découpes de fleurs. Hein. Donc, c'est pas grave, je vais le garder pour faire une fleur. Hop là, là, je vais faire ça. Je fais que des bêtises. Hein. Je fais rien que des bêtises. Des bêtises. J'aurais dû mettre sur pause le temps qu'on fasse les matages. Hein, parce que pour les matages, il n'y a pas besoin de tuto, quoi, je veux dire. Vous coupez vos fanions à la taille du. Voilà, et puis ça y est, hein, vous collez. C'est tout ce qu'il y a à faire là en fait. Hein. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Hein. Hop, donc, c'est pour ici, n'est-ce pas? Je vous dis pas que je fais. Peut-être ancrer les bords en verre mentalo et tout ça. Ça peut être super joli. Hein. Je sais pas ce que j'ai comme encre là de cette couleur-là, là. J'ai pas envie de bleu, j'ai envie de vert. Hein. J'aime bien parce que c'est pas pour moi. Non, c'est pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Hop là. J'en fasse. Alors, hop. C'est comme ça, je fais des créations pour répondre. Hein. C'est ça. Hop. Ça me permet de vous répondre hein, tranquillement, gentiment. Alors, ne nous trompons pas. Donc, je prends mon. C'est quoi ce petit grain? Et là, vous vous mettez comme ceci doucement et vous ne bougez plus. Vous ne faites pas comme moi hein, qui est la tremblote là. Je suis bonne à rien là. Hop là, ça y est. Hop. Et donc, normalement, ça fait. C'est vraiment super, mais vous commencez par là. Vous avez compris? Hein? Parce que là, j'ai fait un peu. Voilà quoi. Maintenant, il m'en faut un plus grand. Donc, celui-là, je le range, mais je prends le moyen. D'accord? Ça, c'est pour faire une fleur, parce que j'ai gâché. Enfin, j'ai gâché. Non, c'est pas gâché, parce que je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Et donc, là, je vais tailler un grand. Enfin, moyen. Et c'est pas trop grand. C'est chou, hein. C'est juste. Hein. Enfin, je veux dire, c'est peut-être limite trop grand, mais bon. Je vais quand même tester. Je vais tester. Donc, je vais mettre celui-ci, là. Hop. C'est peut-être un tout petit peu trop grand, mais on va voir. Allez. Donc, là. Si c'est trop grand, ça c'est facile. C'est facile à tailler. Hein? Vous savez pourquoi? Ben, si vous dites que vous savez pourquoi, ça me fait plaisir. C'était pas celui-là? Non, je vérifie parce que vous savez, je suis capable. Non, c'est bon. Bon, ouais, parce que vous savez, je commence à me connaître. Hein? Ouh là là. C'est ça. Alors, hein? Donc là, il va nous en falloir ben, 4, hein, la tâche. On recommence, on continue, je veux dire. Hop là. Il est quelle heure? Il est 33 minutes. Ça prend du temps de mater. C'est pour ça prend un peu de temps de mater. Ouais, je vous disais. Non, attendez, je ne me trompe pas. Je vous disais, si vous voyez que c'est un tout petit peu trop grand. Mais normalement, on est bien là. Normalement, on est juste bien. Voilà, parce que moi, en plus. Ouais, c'est parfait. Mais admettons, si vous vous êtes trompé, vous avez, eh bien, vous taillez ici, hein, en bas, hein, vous retirez quelques millimètres là, d'accord? Parce que là, vous n'allez pas retailler le fanion, et vous retirez un millimètre ou deux ici, voilà, et puis ça le raccourcit, hein, ça sera parfait. Voilà, c'était le tuyau du jour, n'importe quoi, c'est ça. Alors, donc, voilà, hop, hop. Voilà. Hop. Elle a les yeux revolver. Tilou lilou lilou lam. Tilou c'est ça. Oh oui, je l'adore. Oh oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Ouais, c'est ça.
Donc là, bah, comme ça va cacher. Vous voyez, j'avais arraché, ça se voit. Et ben, ça se verra plus. Hein. Les points, tu me dis, on les verra plus. Tibidi-bidi, j'en ai fait des brosses. Un franc kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. Si. Donc là. Ah, oh, j'ai dit que bouge pas. Hein. Parce que tu commences à m'énerver. Hein. Si, je commence à m'énerver moi. Regardez, hop, vous voyez, comme ça, c'est toujours bien posé. Hein. Vous dites que c'est bien posé, ça me fera plaisir. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Ensuite, on va mettre une couche de celui-là. Hein, c'est pour, je répète, hein, c'est pour éviter les 36 papiers. Ça sera très joli. Hein. C'est répétitif. Vous pouvez mettre bien sûr plein de papiers différents. Hein. Moi, c'est parce que comme c'est pour le tuto, hein, eh bien, je fais au plus économique, si on peut dire. Hein. Enfin, c'est au. Après, vous pouvez suivre mon exemple. Hein. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Alors, hop. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais là, vous avez vu. Hein, enfin, il n'y a rien de. Voilà, hein, c'est. Franchement, là, même, ça vaut même pas le coup de faire un tuto pour ça, hein, non. Hop. Et puis, si vous n'avez pas ce die-là, je pense à ça, là, parce que d'un seul coup, là, je pense à ça. Eh bien, ce que je fais là, vous pouvez le faire avec des rectangles, des. Ça n'a rien d'extraordinaire. Prenez des rectangles, vous les coupez en fanion là, vous savez, vous prenez une mesure. Prenez un rectangle, ok, prenez un rectangle, peu importe la taille, vous pouvez le faire du plus grand au plus. C'est vraiment facile à faire ça là. Pff, on achète les dies, mais c'est pour dire. Hein. Vous faites un grand rectangle, ensuite vous prenez le milieu, hein. Vous prenez le milieu, vous faites un point, ensuite vous choisissez la hauteur de votre pointe, hein. La hauteur, disons, bah, admettons 3 cm, à 3 cm vous faites une ligne, et sur cette ligne vous prenez le milieu. Vous joignez le coin en bas à gauche au point du milieu, le point du milieu au point en bas à droite. Vous dessinez votre triangle et puis vous coupez. Et puis ça y est, vous avez un fanion. Pff, rien de. Voilà. Et vous pouvez vous amuser à faire des petits albums comme ça. Donc, avec des petits comme ça pour pas gâcher les pages. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on colle. On colle le plus petit sur le plus grand. Le plus. Et puis en fait, ça gâche des pages puisqu'on colle comme ça fait une page, enfin, ça fait 2 pages en moins. Là, en faisant des petites languettes comme ça, toutes mignonnes, ça fait une reliure toute facile. Et puis, vous pouvez en mettre à l'infini, hein. D'un côté, de l'autre, c'est, enfin, franchement, c'est tellement facile, tellement facile. Hop. Hop, voilà. Là, je vais remater là. Hop, il y en a encore 2 à faire. Alors, je vais faire la couverture extérieure de la même avec les fleurs comme. Ah, mais Angélique, ça me colle au doigt alors. Je vais faire la couverture extérieure avec les fleurs comme là. Hein. Alors, ça va être mignon comme tout. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Donc là, je vais remettre celui-ci. Hop. Un coup l'un, un coup l'autre. Et puis voilà. Hop. Ensuite, on va faire le petit embellissement là. Bah, de ce qu'on a là. Je ne vais pas tout faire, hein, parce que ça fait des fleurs, quoi. Ça, là, ça fait des fleurs, puis voilà, point barre. Hein. Bon, on peut regarder ce que ça donne, mais voilà, quoi. Ça n'a rien de. Hein. Voilà. Hein. Une fois ça, une fois ça. Parce que là, je finis avec vous, c'est parce que je m'étais dit cette année que je faisais la décoration avec vous de fond en comble. C'est uniquement pour ça que je finis. Mais sinon, je répète que vous n'avez pas besoin de moi pour faire des matages de machin, hein, pas du tout. Hein. Pff, là, franchement, pas du tout. Hein. Donc là, hop, je vais recoller celui-ci là. Hop. Hop. Voilà, comme ceci. Hop. Nous, la rivière, elle a monté, elle a monté, elle a monté. Elle n'a pas débordé, mais la rivière a débordé. Bateau sur l'eau, la rivière a débordé. Elle n'a pas débordé, mais ça grimpe, l'eau, on est content. Ben c'est bien d'avoir de l'eau. On en voulait. Bon, non, on est content. Hein. Si, on est content. Hop, toc, toc. Hein. Hop, voilà. Regardez, c'est joli. Hein.
C'est adorable, hein? Toc, 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 toc. Donc, je répète, si vous voulez en remettre encore un, vous prenez une feuille A4, vous avez compris, puis vous refaites exactement la même chose. Et puis, comme le plus petit sur le plus grand, ok, hein, vous faites des petites languettes là, et puis vous le mettez derrière, et puis vous rajoutez encore des pages, et ça vous fait un grand album de 1, alors ça vous ferait le double, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6, ça ferait 12 photos, hein, c'est vachement bien. Hein. Donc là, je vais découper, je vais faire la couverture avec les fleurs, là, c'est très très joli. Hein. Hop là, les fleurs. Hop. Hop là. Le pouvoir des fleurs, hein, si. Et donc ça. Zou, zou, Zoubida. Je sais pas pourquoi je pense à Zoubida, mais on dit Zoubida, puis on est content. Hop. Quand il faut y aller, je suis toujours prête. Alors là, je pense qu'on est bien, par contre. Hein, je m'arrêtais là, moi, vous avez compris. Si je m'arrêtais pas là, j'aurais déjà, avant de mater, hein, vous refaites votre petit truc avec vos deux petites languettes comme on a fait, hein, avant de remater. Pour que les languettes, elles soient cachées sous le matage. Vous avez compris, hein. Hein? Et puis si ça vous semble trop compliqué ce que je suis en train de vous expliquer, vous me le dites hein, déjà si c'est trop compliqué ce que je viens de vous expliquer. Et puis, eh bien, ça vous semble vraiment trop compliqué sans moi, hein, si vous ne pouvez pas vous passer de moi, ça me fait trop plaisir. Non, pas du tout. Si vous n'arrivez pas à le faire sans moi, eh bien, vous vous arrêtez à ce que j'ai fait moi là, et puis c'est tout, point barre. Hein. Voilà, puis on est content, puis c'est tout. Allez, hop. Ça suffit hein, pour envoyer un petit album comme ça pour un petit supplément, un petit cadeau à quelqu'un. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des super grands albums. Là, ça fait des photos des demi-formats, là, hein, 7,5 sur 10, là. Facilement, hein. Vous pouvez mettre facilement des 7,5 sur 10, hein, c'est super sympa. Hein. Voilà. Donc, oh, je colle ma couverture arrière. Je répète, je n'aurais pas collé si je rajoutais encore des pages. Oh, je n'y arrive. Mais qu'est-ce qui m'arrive, hein? Vous savez, hein, franchement, et des fois, oulala, mais qu'est-ce qui m'arrive à pas être droite et tout? C'est fou, ça, quand même. Non, mais attendez, c'est dingue. C'est insupportable, hein? Je vous assure. Hein, voilà, c'est bon. Non, mais c'est qui commande? C'est incroyable comme. Donc, pour ce faire, on a notre petit album tout mignon, mignon. Si, c'était tout mignon, hein, regardez. Hop, hop, hop. C'est vraiment super sympa. Et alors, on va faire une petite. Ça y est, c'est fini. Hein. On va pas faire plus. Hein. Je vais faire ma petite déco là, parce que j'ai gâché mon papier là. Hein. Vraiment. Je vais faire une fleur là. Je vois pas quoi faire. Bon, alors, je fais un petit. Parce qu'il y a des mini fanions. C'était tout mignon pour mettre le sentiment. Bon, ah, tiens, 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 tiens. Justement, j'avais. Ouais, mais je crois pas que je l'ai là. Non, je crois pas. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai. Je vous ai partagé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh là là. Je sais pas. J'ai rangé. J'ai rangé. J'adore. J'adore quand je dis que j'ai rangé. C'est ça. N'importe quoi. J'avais des petits sentiments. Je vous ai partagé, non? Mon petit album ou un truc comme ça, non? Bon, bah tant pis. Je l'ai pas là comme par hasard, mais. J'avais des petits sentiments où c'était marqué mon petit album. Ah bah tiens, le v'là, je crois. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Oh zut. Oh, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bon, vous avez compris? Je sais pas ce que j'en ai fait. Non, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même, je le mettrai quand même. Je vais le mettre et puis. Je vais le mettre. Voilà, je sais. C'est pour mettre là juste le sentiment, mon petit album. Voilà, j'ai envie de faire ça comme ça va dans le thème de. Alors, vous avez compris. Alors, je vais mettre pas une grosse fleur parce que vous voyez, c'est dommage de cacher ce joli. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le recto, je vais faire du blanc. Je vais prendre ma chute là et je vais couper le petit fanion en blanc comme ça, tout petit, petit, tout mignon. Parce que j'ai pas envie de trop charger en fait. Alors, vous savez, parce qu'il est quand même chargé, hein. Il y a du foil, il y a des fleurs.
Et puis après, bah, vous décorez à l'intérieur de votre album. À ce moment-là, on peut se faire une... On peut se faire... voilà, le petit fanion, ça donne ça. Bon, c'était adorable. Hein. Donc là, je vais le mettre là. Hop. Donc les petits fanions, ça fait un petit fanion, quoi. Hein, tout mignon, mignon. Hein. Donc là, je vais me mettre là, comme ceci. Ou là. Oh, c'est adorable. Je vais me mettre comme ça. Et puis, on va mettre une petite fleur toute mignonne, pour faire tenir le fanion. Est-ce que ça, ça va avec ça, je suppose. Alors, je vais mettre... je vais le faire dans mes chutes, là. Dans mes chutes. Hop, ma chute que j'ai déchirée. Ah, ça y est, il est parti. Je sais pas. Ah, il est là. Voilà, chance. Voilà. Voilà, voilà. Bon, pour ce faire, je prends mon petit papier que j'ai déchiré tout à l'heure, là. Comme une gourde. C'est bon, c'est pas grave. Hein, ça peut arriver. C'est pas dramatique non plus. Hein. Mais bon. C'est une faute d'inattention. C'est ça. J'ai le sentiment, mon petit album, je ne sais pas ce que j'en ai fait, c'est dommage. Mais je vais les retrouver, puis je le mettrai, je le mettrai après, c'est pas grave. Je le mettrai je le mettrai à la suite, c'est pas gênant. Hop, bon, ça, hop. Hop, donc là. Hop là. C'est vraiment des petites fleurs là. Hop, je vais mettre ça comme ça. C'était tout adorable. Pour tenir mon truc. Là, c'est la petite. Je vais mettre le blanc, je retourne. On fait ce qu'on veut, vous savez. Comme ça. Ou alors je fais comme ça, puis je mettrai un strass. Ouais, je vais faire ça. On voit pas trop bien parce que c'est vert sur vert. Hein. Mais ça va. Alors, qu'est-ce que je l'ai. Il est allumé, lui? Oui, il est allumé. Bah, c'est parfait. Donc je vais mettre un peu de. Une toute petite pointe de colle chaude comme ceci sur mon petit fanion. Non. Je l'ai sur le côté blanc comme ceci. Hop. Ma petite fleur pour décorer. Voilà, une petite fleur comme ceci pour décorer tout mignon mignon. Adorable. Ma petite fleur comme ceci par-dessus. On voit pas trop la différence, mais bon, tant pis. Hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Hop. Adorable. Un petit strass comme ça, ça va faire ressortir. Qu'est-ce que j'ai là? Petit strass. J'ai pas. Pas un strass qui traîne. C'est rose ça, oula, on peut mettre du rose. Ah tiens, du vert, ah, bah, c'est bien ça. Ouais, non, c'est trop vert. Bon bah, il faut que je prenne un... J'ai la fille qui est en train de radiner, qui cherche des trucs. Ah bah si, il est là, ça y est, j'ai trouvé. Alors là, je vais mettre un petit strass comme ceci, là. Ça va être vraiment bien. Tiens, voilà, oula, oh, c'est top. C'est ça. Ouais, c'est comme des... Ça va bien avec les... Ça va bien avec les petites pastilles, là. Ça va aller bien. Alors, hop, enfin ça va aller bien. C'est à mon goût, quoi. Ça me plaît bien, quoi. Voilà. Voilà, c'est léger, c'est discret, c'était tout mignon. Hein, voilà. Ici, là, donc, je mettrai, vous voyez, bon, vert sur vert, bon, ouais, ok. J'aurais pu mettre un peu de bleu ou un peu de craft, mais bon, j'ai pris avec mes chutes, là, c'est parce que je voulais pas, voilà. Mais une petite fleur craft ou une petite fleur bleue, ça aurait été plus intelligent. Là, je vais retrouver mon petit sentiment, mon petit album, là. Je vais le retrouver. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je vais le retrouver. Et puis, puis voilà, c'est tout. Après, bah, vous faites votre project life, là. Vous faites votre petit album, mettez vos photos et puis vous les scrapez. Vous mettez un petit embellissement à chaque fois, un petit love. Je ne sais pas, moi. Mettez ce que vous voulez, hein. Et puis, voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est sympa, si, c'est sympa. Voilà, ça suffit largement. Enfin, moi je trouve, hein. C'est parce que mon papier est chargé en feuille là. Voilà,
J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que vous aimerez mon petit. Alors après, il y a des banderoles, des machins, des trucs là. Alors attendez, hop, je range pour pas les perdre. Donc je répète, vous pouvez refaire hein, un double, une page, une feuille coin coin coupée en deux. Hein, et sur l'arrière, et eh bien vous pouvez refaire hein, deux pages supplémentaires facilement. Hein, hein, en remettant les deux petites languettes. On les a en double quand on coupe là. Et je pourrais le faire facilement là. Quand vous avez fait votre coupe là, ben, vous avez vos petites languettes. Vous avez compris, vous coupez là. Et puis vous avez vos deux petits. D'accord, ça c'était. Voilà. Quoi d'autre hein? Ben, c'est tout. Hein? Voilà. C'est très mignon. Très, très, très mignon. Voilà. Je serais contente de ma petite, de mon petit album. Voilà, puis c'est tout. Puis, là, vous voulez qu'on essaye là ce que ça donne les trucs là? On peut, hein? On peut, hein? On peut. Je vais les couper pour voir ce que ça donne comme hein, pour vous montrer. Hein, ça vous fait une petite démonstration. Est-ce que j'ai des chutes hein, la fille qui est radine comme un. Oh, mais moi, je suis radine, c'est une quête. Non, c'est pas que je suis radine, mais voilà, quoi, un peu quand même. Alors, c'est ça. Je le fais dans le papier comme ça, là. Ouais, ça va pas ressortir. Hein. Je vais le faire côté blanc. Hein. Je vais le faire côté blanc. Et puis comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et puis moi aussi. Et puis ça se trouve, je vais en mettre une là. Ça se peut. Je vais m'en servir, hein, bien évidemment. Hein, je pourrais laisser ça comme ça sans m'en servir. Donc, je mets ça, ça. Et la troisième, elle est où? Il y en avait trois, non? Elle est là. Donc, je vais mettre les trois, là. Je vais couper les trois. Pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais le faire en blanc. Parce que moi, je trouve que le blanc, c'est assez sympa. J'ai pas ancré les bords en vert mentalo, là. Non, je trouve que c'est joli blanc. Parce que les roses, là, elles sont blanches. Donc, voilà. On peut, après, on peut décorer comme on a envie. Hein, si chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Je ne sais pas si on voit midi à notre porte, mais enfin bon. Voilà. Je vais donc couper ces trois petites bandelettes qui permettraient de décorer, justement, de scraper les photos. Hein, au cas où. Je vous montre ce que ça donne. Alors, voyons. Ah oui, d'accord, ok. Oh là là, oh là 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 là, oh là là. Alors, pour se faire, c'est ça. Pour se faire. Ça donne ça. En fait, c'est des bordures. C'est des bordures, mais des bordures, quoi. Je pensais que c'était des. Enfin, oui, c'est des bordures, quoi. Ça donne des bordures comme ça. Hein? C'est super joli quand on veut faire par exemple une bordure quoi. Là j'aurais pu en mettre une, regardez, c'est joli. Ou pas, hein? Si. Non mais c'est joli une petite bordure comme ça avec le blanc là. Si j'avais su que ça faisait des bordures, après je peux les rétrécir. Ou alors comme ça en l'air. Hein. Ouais, vous pouvez faire des jolies bordures. Il y a celle-ci donc, laquelle? Il y a celle-ci. Ah ben ça par contre. Alors hop là, je coupe, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Hop, donc là, il faut couper. Hein. Là, c'est parce que j'ai fait les trois en même temps. Hein. C'est des jolies bordures, quoi, en fait. Hein. Donc il y a celle-ci, hein. Celle-ci, là, hein, c'est pareil, ça fait comme une petite dentelle. On peut mettre. Je vais m'en servir, je pense. Hein. Je vais la mettre là. Regardez, ça fait joli. Hein. C'était tout mignon, mignon. Hein. J'aime bien celle-ci. C'est ma. Ah, il y a celle-ci aussi. Attendez, j'essaye celle-ci aussi. Je vous montre. Je vais mettre celle-là, tiens. Je regarde. Ah oui, mais celle-là, je l'ai abîmée. Enfin bon. Ouais, je l'ai mal faite parce que je voulais juste regarder ce que ça donnait. Il y a celle-ci aussi qui est mignonne. Hein. Vous voyez, ça fait ça. Je peux mettre celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle aussi, celle-ci. Hein? C'est pas mal, ça, avec les petits ronds, là. Ça va bien avec le thème. Alors, hop. Bougez pas. Enfin, bougez pas aussi. Si, bougez, faites ce que vous voulez. Hein. C'est ça. Je regarde. Si je mets une petite bordure comme ça, assez discrète. Ah bah tiens, je vais la mettre, elle est super mignonne. C'était pas prévu, mais moi j'aime bien les choses qui sont pas prévues, hein. Ça vous l'aurez compris, hein. Je vais mettre ça là. Ça fera une petite finition toute mignonne, toute mignonne. Voilà. Ah oui, ah, c'est très adorable, hein. Alors, ah, je vais mettre un point de colle là. Et là. Voilà. Et je vais mettre ma petite dentelle. Qui va extrêmement bien finir mon petit album. Voilà, Estra.
Voilà. Regardez, ça finit bien, hein? Ça fait adorable. C'est franchement tout mignon, mignon. Ça manquait. Ouais, si, ça manquait. Si, si, ça manquait. Ça manquait un petit truc et paf. Voilà, on a une petite bordure toute mignonne. Après, ben voilà. Donc là, on a vu les trois. Et alors, ce qui est bien aussi, donc, bon, alors ça, c'est bon. C'est testé. Ça, elles sont jolies aussi, celles-ci, j'avoue, hein. Celle-ci, j'aime beaucoup. Alors, après, on pourrait faire des bordures comme ça tout à l'intérieur, hein. Ben, vous décorez comme vous voulez, hein. On peut, comme ça cache les jointures, là. Ou en bas. Ah non, j'aime pas, moi. J'aime bien, là, sur les tranches. Comme ça, je trouve que c'est sympa. C'est très beau, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, hein. C'est très mignon. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais laisser comme ça, moi. J'adore. Et puis, alors, vous les contestez ça aussi? Ça, je le mettrai à... Je le mettrai si elle les veut. À moins qu'elle s'est peut-être acheté. Moi, je sais rien. Je sais rien. Donc, ça... Il nous reste à tester ça. Vous voulez qu'on teste les fleurs là? On peut, hein, on peut tout tester, hein. Mais ça, c'est vachement connu, hein. Enfin, enfin, c'est connu des gens qui connaissent, quoi. C'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vais faire ça. Alors, attendez, je vais essayer de ruser. Enfin, si, je vais ruser, j'ai le droit. Ça tient là-dedans? Ah non, il n'y a vraiment rien qui tient là-dessus. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Il y a aussi plein de petites étoiles, hein, parce que quand on. Vous voyez, on peut rajouter des petites étoiles de ci, de là. Quand... De ci, de là. Quand on fait la découpe de celle-ci là, hein, celle-ci là, eh bien celle-ci quand on la découpe, eh bien toutes les découpes là, ce sont des étoiles qu'on peut placer comme ça sur vos photos pour décorer vos pages et tout ça. Vous mettez des petites étoiles de ci, de là, ça fait assez joli, hein. Vous pouvez faire ça aussi. Donc voilà, je vais tester ces fleurs là, là moi. Alors je vais tester comme ça. Hop, hop. Hop, je vais faire ça avec mon papier qui reste là. Je vais en faire un. Je pense que je l'ai fait blanc, je l'ai fait en fleurs. Je vais les faire comme ça en papier, en joli papier. Ce sera peut-être mieux que blanc quand même. Blanc, c'est joli pour la dentelle, j'adore. Hop, je vais faire ça. Comme ça, on verra ce que ça donne. Vous aurez tout vu comme ça, hein? Enfin, tout vu. Vous avez compris. Là, hein? Donc, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Hein? Donne ça, quoi. On peut faire ça comme ça. J'aime bien faire ça, moi. Par exemple, hein? Mélanger le blanc, ça ressort mieux, je trouve. Moi, ouais, je trouve que ça ressort mieux. Ça, ou alors le contraire, hein, ça et puis blanc comme ça, mais je trouve que c'est mieux comme ça. Bon. Bon, après, les goûts, les couleurs, c'est toujours pareil. Voilà, ça c'est pas mal. Donc, pour décorer une page, hein, c'est rien. Voilà, je sais pas. Voilà, hop, ça c'est testé. Il nous reste plus que celle-ci à tester. Ouais, bon, ça n'a pas grand intérêt, hein. Enfin, si vous trouvez. Bon, je trouve pas, mais on peut, hein. Hop, je vais tester celle-ci. Je vais la faire la plus petite là. On aura compris, c'est la même forme. Hein. Si vous dites que vous avez compris, ça me fait plaisir. Hop là, on va faire ça. Hop. Joli ça, j'aime bien. J'aime bien cette forme. Hein. J'aime bien cette forme. Donc ça, là, ça donne ça. C'est assez joli. Regardez, c'est joli. Hein. On dirait une étoile de mer, presque. Je sais pas, ça me fait penser à une étoile de mer à six branches. Ça existe, hein, on disait que ça existait. Donc voilà, celle-ci. Je vais faire la grande en blanc. Comme ça, je ferai comme là, là. Et puis, je mettrai un gros strass en dessous. Voilà, hop. Et puis, il me reste ça, le petit soleil, là. C'est un soleil, ça, non? Et puis on aura vraiment tout fait cette fois-ci. Hein. Oui, et puis après c'est tout. Hein, c'était fini. Hein, mais si c'était fini. Hop là. Voilà. Hein. Le petit soleil, il est sympa aussi. Vous voyez, c'est un petit soleil, quoi. Hein. Voilà. C'est mignon, tout plein. Hein. Hop. Le petit soleil, et puis donc là je l'ai fait en blanc, enfin en blanc. Sais pas quel côté j'utiliserai, mais. Ah, c'est bien comme ça, bicolore, j'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès, j'aime bien. Je vais l'utiliser celle-ci. Oh, regarde, yeah. Hein, voilà. C'est pas mal, hein?
Oui, c'est pas mal. Bon, bah voilà. J'en ai deux là. Bon, là, je vais les... Bien sûr, je vais les placer dans l'album. Hein. Et puis, je vais mettre. Ah, le petit soleil, il est où? Eh ben, justement, le petit soleil, je peux me mettre en. Regardez, on peut faire comme ça là. Hein, ça fait des jolies petites fleurs, toutes mignonnes. Voilà, hop. Après, si je mets côté blanc, ça claque. Hein. Ça ressort bien. Voilà, on peut faire. C'est joli comme ça. Hein, c'est joli, hein. Voilà, hein, et puis voilà, on a fini. Bon, j'espère que ça vous plaît. Combien? 1 heure. Bon, bah 1 heure. Mais franchement, ça vaut le coup, non? Si, ça vaut le coup. Hein. Il était tout mignon. Hein. Voilà, ça sera pour toi, Tata Clo. Hein. Si, c'est pour te remercier de l'album. Hein, parce que moi, maintenant, je vais pouvoir en faire plein. Hein. C'est rapide. Enfin, bon, c'est parce que là, je discute, machin, tout ça. Mais c'est plutôt rapide à faire. Hein. C'est pas très compliqué à faire, ça, hein, franchement. J'aime beaucoup là, la petite bordure comme ça. Elle est vraiment jolie. Elle rend extrêmement bien avec les petits points là, les petits pois là. Ça fait ça fait vraiment très 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 joli. Hein. Ouais, c'est ça va bien avec cette bordure là. Bon bah voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis. Ah oui, il y a le sketch jeudi. Alors, oui, j'enregistrerai le sketch aussi. Hein. Il est prêt, de toute façon, il est prêt. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, passez une belle journée, une belle soirée, une belle matinée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très fort.